un homme ou une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Oui, la température 45. Ouais. On est là pour vous rencontrer, pour parler avec vous. Amélie, prends une photo. Du coup. Le problème, c'est que. Je prends des photos, hein. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et si vous pouvez, vous pouvez vous manifester sur l'une d'entre elles. 14, 5. Mais non, il n'y a plus de lumière. Ouais, c'est la lumière. Mais c'est pareil, tu vois, c'est traître parce que la lumière, ça fait déclencher le REM. Et l'appareil photo, tu peux pas le déclencher parce qu'il n'y a pas de lumière. Tout à l'heure, on était à 0,5, maintenant ça passe à 1,3. Ouais, c'est passé jusqu'à, c'est monté jusqu'à 1,6. Ouais. Les GoPro, ça vient du côté. C'est à Alex. Et tu regardes Alex pour la batterie. Je vois s'ils sont compatibles les trois. Mmh. Au pire, j'ai mis de côté. Je vais pas prendre de photos, putain. Avec le chargeur. Moi, j'ai un truc pour charger. Est-ce que vous êtes là? C'est bon, Alex. C'est bon? Ouais, c'est bon, décale-toi. De toute façon, ça descend. Est-ce que vous êtes là? 1, 3, 1, 1, 3. Je vais mettre un petit appareil à côté. Le petit appareil gris. Et vous pouvez jouer avec si vous voulez. Si vous êtes là, vous pouvez faire déclencher les petites lumières en vous approchant du boîtier. D'accord? Ça fait pas mal, ça va rien vous faire. Vous voyez, on y touche et ça fait rien. Vous voyez? C'est vraiment inoffensif. Allez-y, approchez-vous. Vous pouvez même essayer de nous toucher si vous voulez. Je peux pas acheter. Vous inquiétez pas, on n'est pas du tout méchant. Je ne crois pas, ça. C'est, je suis à l'encontre, ça. On fait la gueule. Vous n'osez pas trop vous approcher. Ça lui passera. Ah, ça fait depuis 2010. Tu étais avec? Est-ce que vous... Vous acceptez de nous parler? De communiquer avec nous? C'est ça, problème. Là, je n'ai jamais pu faire ce que je voulais. Mais c'était une fille médicale. C'est vrai que vous devez pas voir beaucoup de personnes ici. La dernière fois, on est venu vous rendre visite, vous vous rappelez? Il y avait une super rouge. 1, 3 encore. 1, 4. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher le gros boîtier avec l'antenne? Le REM. Si oui, approchez-vous du petit boîtier gris, s'il vous plaît. Celui qui a la petite lumière verte. Sur le côté. Et plus vous vous approcherez, et plus les lumières s'intensifieront. C'est étonnant que ce soit des appareils, parce que sinon ça ferait tout le temps. Quoi, tout le temps. Ça ferait ça pas de nouvelles. N'ayez pas peur de nous. De ça. 2, 6. On a 2, 7, ouais. Allez, venez, approchez-vous. 11, 6. 11, 5. Bah alors, venez encore? Venez? Vraiment, ça nous ferait très plaisir si vous étiez là. Essayez de faire allumer la lampe, s'il vous plaît.
ça pourrait vraiment être super. Alors que normalement, ça tourne entre 12. Ça a combien de temps? 11,5. C'est encore à 2, Alex? On est à 1,7. 11,5. Il y a une température ambiante 11 degrés 2. 6. Je sais pas, j'ai l'impression de mettre le 2. Les abdominaux, on a fait la direct 11,7. 0,7. 0,6, on est passé de 2 à 0,4. Il faut pas. Ça y est, ça sonne. 0,3, ça se baisse. Et bah, ben, 0. Il est reparti à 0 là? Ouais. Ah, ouais, ça a allumé. On s'allume, mon pote. Merci beaucoup. Et puis ils ont allumé. Ah bah, j'ai pas filmé qu'elle a mis la lampe. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bah oui, on lui a dit de prendre l'énergie de quelque chose. Il l'a pris. C'est vraiment super. Donc il y a bien quelqu'un ici. Prenez mon énergie si vous voulez. Donne-moi 8 et tout. N'hésitez pas à prendre, sinon, oui, les lampes qui sont sur la table. Alors. Est-ce que vous êtes un homme? On va commencer comme ça, d'accord? Si ça vous dérange pas, ça recommence le REM derrière toi. Bah oui, qu'elle prenne, je suis. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Tiens, 2-4, 2-4 au REM. 4-4 au REM. Le délire. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Vous pouvez... Si vous voulez dire oui, faites éteindre la lampe. Non, justement, il faut qu'il éteigne la lampe. Okay. Oui, éteignez la lampe pour oui. Laissez la lampe allumée pour... Tu t'emballes. Non, c'est éteindre la lampe pour dire si c'est un homme ou pas. Bah oui, éteindre pour oui. Ah oui. Et laisser allumer pour non. Ouais. Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes une femme alors? Si vous n'êtes pas un homme. Il y a une femme ici? Éteignez la lampe, s'il vous plaît. Ne répondez pas à ma question de savoir si vous êtes un homme ou une femme. Éteignez la lampe. Et bah, tu vois, c'est la première fois que je vais s'allumer toute seule, tiens. Hein? Tu l'as jamais vu, tu as déjà vu ça? Non. Ouais. Youpi. À part 11-3. À part la télé, c'est tout. Ouais, je te jure. Je vais essayer de retrouver ma vidéo. Je l'ai compris, puis je le ferai voir. Quand tu réagis sur la lampe. Éteignez la lampe, s'il vous plaît. Ça nous fera encore une petite preuve que vous êtes bien ici avec moi. Demande-lui s'il y a quelqu'un qui vous dérange, en fait, dans la pièce. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous ne souhaitez pas voir? Est-ce que ça vous gêne qu'on soit ici? Puis c'est marrant, c'est au même moment en fait où le REM il est passé à zéro que direct la lampe elle avait tout. À croire que je vais plus la voir. Du REM pour. Peut-être que la GoPro elle a filmé. Je sais pas si t'as filmé à la table. Tu ressens du vent ou une fraîcheur à côté de toi? De temps en temps, ouais. Moi je suis gelé, mais là je suis. Je sais pas. Je vais voir tes mains. Pourtant t'as 16. Non, ça va. Non. Pouvez-vous éteindre la lampe sur la table s'il vous plaît? Je sais pas. Bah attends, si tu lui poses plusieurs questions. Je sais. Bah. Il n'y a plus personne. Vous étiez avec nous et vous êtes reparti? Éteignez la lampe. S'il vous plaît. C'est déjà vraiment super ce que vous avez fait. Vous avez dû avoir eu besoin de beaucoup d'énergie pour faire ça. Et déjà, si vous le faites, c'est déjà un grand pas. Alors, essayez de reprendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'énergie du REM. Vous pouvez prendre aussi l'énergie du K2, l'énergie des appareils photo, de la caméra... Des caméras, parce qu'il y en a un peu plusieurs ici. Vous voyez, il y a même une petite lampe, encore une autre petite lampe sur la table. Vous pouvez même essayer de l'éteindre, elle aussi. En plus, elle est encore plus petite. Ça peut être compliqué, là. Tenez. Vous pouvez me griffer, si vous voulez.
allez-y, faites-la éteindre. Regarde, regarde, abaisse son intensité, t'as vu? Ouais. Allez-y, essayez de l'éteindre. Vous y êtes presque. Vous l'avez réussi à la faire clignoter. Allez, un petit effort, s'il vous plaît. Faites éteindre une des deux lampes qu'il y a sur la table. La... Il y a quatre lampes. Ah, il y en a quatre, ouais. D'accord. Ah bon. Ouais, peut-être que... Essayez, oui. Non. Allez-y, continuez, c'est très bien. Allez-y. Vous comprenez ce qu'on vous dit? Je pense que oui. Vu que vous réussissez à... Ouais, vous avez du mal avec... C'est vrai que c'est compliqué. Il a combien le... Le REM, il a combien? Zéro, je crois. Allez-y. Vous avez réussi à faire clignoter la petite lampe. Vous pouvez essayer de l'éteindre. Je pense qu'elle demande moins d'intensité que l'autre. Oui, continuez comme ça. Allez-y, si vous y êtes presque. Allez, un petit effort. Allez-y, essayez de l'éteindre. C'était bien ce que vous faisiez jusqu'alors. Ouais. Elle a pas de bug, ta lampe, elle marche bien d'habitude. Ouais, elle doit avoir un bug. Elle doit avoir un bug, ouais. Tu penses? Pour ça, on va le déteindre, celle-là. Ok, bon. Essayez avec une autre lampe, alors. Regarde, celle-là, il a juste à y toucher un peu, regarde. Attends. Ah, merde. Ouais. Faut faire comme ça, vous voyez comme il fait Nicolas. Vous avez juste à l'éteindre, elle a rallumé un petit peu. Regardez, comme ça. Il a juste à y toucher un peu. Tu vois, regarde. Donc, ce serait bien qu'il se motive. Essayez d'allumer la lampe, s'il vous plaît. 11.5. Et je crois que le K2, la pile, elle va être morte. 11.4. Regarde. Tu parles du K2, hein. Elle brille plus. Bon, c'est pareil. Allez-y, essayez d'allumer la lampe, s'il vous plaît. Vous êtes là? Vous pouvez les faire allumer, le petit boîtier gris, le petit boîtier noir. Vous pouvez vous repomper en énergie dessus. Vous recharger en énergie dessus. Vous avez dû le voir, ça fait pas mal. On vous l'a expliqué tout à l'heure. Et sur le REM, c'est toujours 0. 0,7. Vous pouvez éteindre une petite lampe si vous voulez. On fait exactement le même jeu que tout à l'heure. Et puis après, il faudra la rallumer. Mais d'abord, on essaye de l'éteindre. Vous êtes là? C'est toujours 0,7. Oui. Et la température, c'est toujours pareil. Température ambiante, 11,3 degrés. Ouais, c'est pareil. Tout à l'heure, c'était à 18, hein. Je te signale. Elle était à 18,7 tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui avez changé la température comme ça? Elle était à 18 et d'un coup, elle est redescendue à 11. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça?
Allez, essayez d'éteindre la petite lampe. Une des trois petites lampes. La troisième, je peux pas la filmer. C'est pas grave, je la vois. Ça me ferait vraiment très plaisir si vous pouviez éteindre une des trois petites lampes. C'est pas dur, elles sont toutes petites. Vous ne devez pas avoir beaucoup à y mettre dedans. Si ? Pouvez-vous baisser les lampes, s'il vous plaît ? Les baisser un petit peu, les faire clignoter, comme tout à l'heure. Vous pouvez prendre l'énergie du REM, le grand boîtier avec l'antenne. Vous savez le grand boîtier noir là, avec la lumière rouge sur le dessus ? Vous pouvez prendre toute son énergie si vous voulez. Vous pouvez même l'éteindre. Vous pouvez même éteindre la caméra. Ou l'appareil photo. Ou les deux. C'est comme vous voulez. Vous avez le champ libre. Vous voyez bien qu'on n'est pas méchant avec vous. Vous avez dû le comprendre. Alors, vous êtes un homme ou vous êtes une femme? Vous ne nous aviez pas répondu tout à l'heure. Toujours 07. Ouais. Et tout à l'heure c'était comme ça, puis après ça a augmenté d'un coup. Et... Ouais. Ça a augmenté d'un coup, puis c'est revenu à 00. Ouais. Pour ça c'est bizarre. Quand on touche l'antenne, ça fait. Ça là, sonne. Ça sonne, mais ça augmente pas normalement. Essaye de toucher l'antenne comme ça. Là t'es à 3, à 8. Ouais, non. Mais... Ah oui, c'est toi. Faut lui faire montrer. Essayez de toucher l'antenne. Ouais. Ah. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez recommencer ? Ah, c'est ça qui note. C'est pas moi. Allez. Attention. Essayez de toucher l'antenne comme ça. Oui, voilà. Ou le K2, comme vous le faites. Ou comme le K2, vous pouvez faire ce que vous voulez. T'as vu, ça va être contredit. Hein ? Je demande de toucher ça. Ouais. Vous pouvez toucher le K2, le petit boîtier. 1, 2. 1, 5. Allez, 1, 6. Allez, continuez. 1, 8. Allez-y, continue. 1-9. Allez, continue. 1-8. Bah, vous voyez que vous pouvez y arriver. C'est pas compliqué. 1-7. 1-8. 11-6. 11-5. Alors ? Si, ouais, j'ai un portable. Faut te le couper. Ouais, je l'ai allumé, mais regarde. 1-9. Regarde. Tout à l'heure, j'ai approché les trucs. Ça fait rien, regarde. Ouais, bah, tu vois. 1-8. Bah, si, faut que tu coupes, Nico. Entièrement. Ah, je l'éteins. Ouais, c'est ça. Ça peut être... Au revoir. Alors, est-ce que c'était vous qui l'avez fait allumer, le petit boîtier gris, là, le petit boîtier noir? Ou est-ce que c'était Nicolas? Il est coupé, hein, les gars. Ouais. Essaye de voir si même coupé, ça interagit avec. Non. 1-5. Ouais, 6. C'est pas moi. Continue. Loin de toi. 1-7. Alors, vous pouvez essayer de toucher la petite antenne, comme Nicolas vous l'a montré. Mais c'est pas compliqué à toucher. Hein. Ça fait pas mal. Hein.
Ça donne même pas des petits coups de charge ni rien. Hein. C'est vraiment inoffensif. C'est fait exprès. Essayez d'éteindre une lampe. Vous avez réussi tout à l'heure à l'éteindre. Vous pouvez essayer de recommencer. Même la faire clignoter un petit peu. Je suis sûre que vous pouvez y arriver. Une voiture. Non, non, c'est le... Le tracteur. Non, non, c'est le... En fait, pour que le livre reste bien frais, et puis... Ah, ouais, c'est un truc qui est en route toutes les... Toutes les 10 minutes, ou tous les quarts d'heure. Ça permet de... Est-ce que vous souhaitez parler à quelqu'un ici, en particulier? Parce qu'on est là, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. Tu dis tous les prénoms comme ça. Hein? On donne tous les prénoms. Ouais. Si ça clignote un des prénoms, ben c'est que... Est-ce que vous voulez parler à Serge? Vous le connaissez, Serge? Il est venu déjà plusieurs fois ici. Il vous avait rendu visite et puis vous l'aviez accueilli lui aussi. On est retombé à 1-2. 1-1-1-3. Vous voyez, il y a Serge ici avec nous. Vous le connaissez maintenant. Il y a même... Merde, je ne sais plus son Corentin. Florentin. Florentin. Mmh. Je ne connais pas ce prénom-là. Il y a même Florentin ici. Vous le connaissez aussi, il est déjà venu plusieurs fois avec Serge. Hein? J'espère que ça va pas être moi. Est-ce que vous voulez me parler à moi? On a deux. Mmh. De deux. De trois. Non, 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 non. C'est à moi que vous voulez parler? De cinq, de huit. Mmh, mmh. Trois. Sérieux? Trois, c'est à un. Moi que vous voulez parler. Est-ce que vous pouvez essayer de parler de sept. Cinq. Cinq. Allez-y, cinq. Faites clignoter la lampe ou l'éteindre. Sur moi, merde. Essayez de faire clignoter le petit boîtier gris pour savoir si c'est à moi que vous voulez parler ou pas. On va éteindre une des deux lampes. Oui, vous pouvez éteindre zéro. Une lampe aussi. 1. 1-8, hein. C'était pas 1, c'est 1-8. Oui, 1-8, ouais. Et là, ça retombe à 0. C'est à moi que vous voulez parler ? Encore que c'est éloigné. Ah non, ça revient. Éteignez la lampe. 19. Oh, please. 19.9. Sérieux? Ouais. Ouais. Où t'as vu ça? Alex. 0, oui, j'ai filmé. Ouais, 10. J'ai monté jusqu'à 10. Ouais. 10.9. Donc, voilà. Donc, c'est bien à moi que vous voulez parler. Ça a monté au grand ou au petit? Le 19. Au grand? Au grand. Sérieux? Oui, à température 45. Ouais, là, il n'y a pas de doute. Il y a quelque chose qui fait attention aussi 9 degrés. Ça peut pas être nous, 45. On va pas dégager autant de chaleur, non? C'est vous qui avez... Non, mais tu peux arrêter de me tenir, merci. Je crois que c'est la première fois qu'on a un truc pareil en enquête. 33. Et maintenant, vous pouvez aussi jouer avec la température. Oui, vous pouvez jouer avec la température, il n'y a pas de souci. C'est aussi un moyen de communication comme un autre. Oh, putain. J'ai l'impression qu'on me touche les cheveux. Oh, sérieux? Je te jure, là, sur la tête. Par contre, si vous pouviez éviter de toucher à mes cheveux, j'ai essayé de les coiffer convenablement tout à l'heure avant de venir vous voir, pour être présentable. Donc, je sais que vous avez l'air de m'apprécier, mais... Ah, on est retombé à 23 degrés. J'espère que ça vous gêne pas, que je vais pas vous... C'est bizarre, 23, parce qu'il fait... Et 13 degrés, ça y est. C'est la température ambiante qu'on avait au début. C'est pas cool.
C'est juste énorme, 45 degrés, tu t'imagines? Oui, il en a retombé à 13 degrés 7. Ah, oui. 0,2 Moins 0,2 Ouais, peut-être que ça va commencer vu qu'il commence à faire nuit. Hein. Moins 0,2 Mon œil. Là, il fait refroidir. Là, il part à moins 0,2 le machin. En température? En température, moins 0,2. Regarde. Et puis j'ai l'impression qu'il pompe l'énergie de la pile aussi. Ouais, j'ai l'impression. Moins 10 Non. Bah là, il n'y a aucun doute. Alors là, j'aimerais juste... Ah, arrêtez. Non. Mais va-t'en. Mais non, c'est peut-être une toile d'araignée. Hein. Ah, non. Il y a quelque chose sur ma tête. J'ai sens du fras sur ma main. Il y a quelque chose sur ma tête. Touchez-moi si vous voulez. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais là, vous me faites peur. Venez sur moi, si vous voulez. Dans mon dos. Non, bébé, au secours. Moins 18. Non, mais arrêtez. Oh mon dieu. On a moins 18. J'aimerais juste vous dire merci pour la communication que vous nous faites. C'est vraiment incroyable parce que c'est la première fois que je communique autant avec quelqu'un. Et que vous réussissiez à nous toucher. Là, je sens ma main refroidir. Oh la vache. Putain, et je te jure, j'ai l'impression d'avoir un truc sur ma tête, c'est une horreur. Tu sais qu'il veut prendre une photo. J'ai l'impression d'avoir une perruque sur moi. Il veut pas marcher. Merci beaucoup. Si vous pourriez juste essayer de vous reculer un petit peu. Regarde. Vous pouvez même éteindre les lampes si vous voulez. Ça réagit. Ah oui, là. Merci. Merci beaucoup. Approchez-vous. Continuez. Bon, vous faites sonner l'ORM si vous voulez en touchant l'antenne. Je lui dis de reculer, toi tu lui disais de. Mais pardon. On va plus savoir là. Oh putain, c'est horrible. Serge, je vais te tuer. Pourtant, la dernière fois, on n'avait pas eu beaucoup autant. La dernière fois, on n'avait pas eu ça du tout, quoi. On n'a pas eu ça du tout la dernière fois. On a moins 18,500 ORM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pourriez essayer de... Je sais pas, moi, d'éteindre une lampe. Il reste deux lampes sur la table. Si on... Qu'elle a pompé l'énergie de la pile du REM. Elle a du mal à voir le monde 18. Ouais, je pense qu'elle essaye de prendre l'énergie du REM. Ouais, regardez les gars. T'as une orbe à côté de toi, bébé. Enfin, j'ai dit que j'avais senti du froid sur ma main. Ouais, sur ma main, j'ai senti du froid. Et oui. Attends, je peux filmer qu'on montre ce que j'ai ressenti. De toute façon, tu vas le mettre. Ouais. On va essayer de voir. Tiens, regarde. Est-ce que c'est toi qui fais ça? Non, c'est pas moi. Non, mais la GoPro, voilà, parce que photo. La GoPro, elle fait interagir. Hein. Non. C'est l'appareil photo. Éteins ton téléphone. Oui, il est éteint. Approche la caméra pour voir. Batterie, c'est pas ma caméra. Tout est flou. Vous êtes là? Faites clignoter le REM, s'il vous plaît, pour me dire que vous êtes là. J'arrive plus à... S'il vous plaît. Bah, dès que je parle, vous répondez plus? Ah, yeah, si. C'est bien. Mais... Je suis contente que vous soyez là, on vous a attendu. C'est flou, putain. Oui. Je... Pardon. Désolé. Oui. On va jouer un petit jeu, si vous voulez. Vous allez me répondre par oui en faisant clignoter le REM. Est-ce que ça vous va? Impeccable. Oui. Bah arrêtez de faire clignoter si vous voulez que je vous pose une question. S'il vous plaît. Alors. Non. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Pose la question d'une femme pour voir si est-ce c'est. Est-ce que vous êtes une femme? Ça clignote deux, c'est compliqué là. Est-ce qu'il y a les deux? Il y a deux personnes ici?
Le problème, c'est que on va pas pouvoir communiquer si vous arrêtez pas de. Mais je sais, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je sens de la chaleur dans mes jambes, laisse tomber. Oui. Voilà, alors, pardon. Est-ce que vous êtes un homme? C'est bien, Alex, comme ça. Ouais. Faites clignoter l'appareil si vous êtes un homme, pour me dire oui. Est-ce que vous êtes une femme? Qui fait le bruit? Hein? Le toc. Ah oh bah vous essayez de faire un peu de musique, bah c'est bien. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Vous êtes en train de... Calmez-vous. On sait que vous êtes là. Arrêtez de faire clignoter l'appareil, s'il vous plaît. Reculez, reculez, touchez plus à l'antenne. Ne touchez plus à l'antenne, s'il vous plaît. Merci de votre présence. Merci de votre présence. Merci, on sait que vous êtes là. Reculez. Vraiment que vous aimez jouer avec... Ouais, c'est marrant, ça fait des lumières. Ça fait plusieurs lumières, ça fait des bruits. Oh là là, il va nous le bugger. Et il a bugué, et je l'ai fait bugger. Stop, stop, stop. Reculez, reculez. Ah, ça repart. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Arrêtez. Reculez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. On est à moins 20. Ouais, faites sonner si vous avez de la chance, s'il vous plaît. Calmez-vous. On sait que vous êtes là. On a compris. On a compris. Voilà. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Reculez-vous, s'il vous plaît. Allez. Voilà, on se calme. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez, vous pouvez aller faire sonner l'appareil qui est dans la chambre aussi. Ça va vous faire un petit peu marcher, mais bon. Ou celui-là, si vous aimez sonner, à faire apparaître toutes les couleurs. C'est dingue, c'est que le K2, lui, il réagit pas. Alors qu'il est à côté. Alors qu'il est à côté. Je me demande s'il peut faire un peu interagir l'appareil qui est derrière. Est-ce que le petit boîtier gris, là, avec la petite lumière verte qui est perpendiculaire à... Je vais faire un peu de maths. Qui est perpendiculaire... Oui ? Oui, vous voyez le petit boîtier, là, gris ? Vous le voyez? Oui. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire interagir pour qu'on voie aussi qu'il y a des petites lumières? Moi, vous préférez toucher l'antenne. Ça va, ça? T'as un bruit impeccable. Essaye de le décaler pour voir si c'est pas lui, justement. Alors, monsieur ou madame? C'est monsieur ou c'est une madame qu'il y a? Il y a mis ta main, là. Je sais pas si c'est son... Hein? Mettez votre main, là. Je sais pas. J'ai l'impression de sentir de l'air froid. Non? Ou c'est moi? Moi? Je sais pas. Non, moi, je sens rien, hein, quoi. Mais... Arrêtez, arrêtez. Éteins-le, Alex. Est-ce que c'est possible de toucher le K2? Chut, calmez-vous. Calmez-vous. Oui, on sait que vous êtes là, mais s'il vous plaît, éteins-le. Calmez-vous. Éteins-le et rallume-le, Alex. Ah, ok. Il va finir par l'éteindre, hein, je pense. De toute façon, là, les batteries, elle est morte. Oh, c'est marqué. Oui.
parce qu'il est là. Si on délire après la hête, c'est très bien. On va l'éteindre, on va le rallumer. J'ai coupé la caméra. Non, c'est bon. Non, laisse la caméra tourner. On va voir s'il réagit. Pose-le, Alex. Bah attends, faut que je rallume. Ouais. Pouvez-vous toucher les cadeaux, s'il vous plaît? Ouais, j'ai toujours à moins. On va essayer de changer de pile sinon. Non, regarde, il redescend. Ah. Est-ce que vous pouvez. C'est quand même des appareils fiables quoi. Donc... Oui, bah oui, puis j'ai 9. Hein. 9, oui. Arrêtez de toucher l'antenne s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Arrêtez de toucher l'antenne. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ah, oh, on a eu peur, on a vu que vous nous l'aviez complètement déréglé. Ah non, mais non, arrêtez s'il vous plaît, 2 minutes. Non. Arrêtez de toucher l'antenne, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de toucher l'antenne. S'il vous plaît, c'est vrai que c'est je marrant. Je sais que c'est marrant que ça fait. Merci, voilà, merci, merci beaucoup. Ah oh, bah, dis donc. Attendez qu'on pose des questions, s'il vous plaît. Ah bah, alors, est-ce que vous êtes un homme? Moi, peut-être. Vous êtes un homme? Oui? Arrêtez, demain, arrêtez. Mais bah, attends, j'aimerais qu'il arrête. Reculez. Reculez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vrai que c'est drôle, ça fait des lumières, mais s'il vous plaît, reculez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de toucher l'antenne. On va pas pouvoir communiquer. Qu'on puisse communiquer, s'il vous plaît. Bah, tu m'étonnes. S'il vous plaît. Ah, la vache. Il est quelle heure? Quelqu'un à l'heure, les gars? Bon, bah... Éteignez l'appareil. Qu'on puisse poser d'autres questions, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, mais on aimerait les écouter, s'il vous plaît. Arrête, ça bouge, ça bouge. Non, c'est moi, ouais. Bah, t'appuies pas sur la table, hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît, touchez plus à l'antenne, on pourra vous poser d'autres questions. Ah là 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 là. S'il vous plaît. Voilà, c'est le délire qui... Oui, on dirait qu'il fait ça, t'es dim, 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 dim. C'est un... C'est... Je viens de l'allumer, t'inquiète, c'est juste pour regarder l'heure. Ouais. Oui, ça fait de la musique. Ça vous manque la musique? Non, c'est pas mon truc. Hein. De quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reculez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reculez. S'il vous plaît, reculez. Reculez. Non, non, mais attends, je veux juste regarder l'heure. Stop, non. S'il vous plaît, stop, stop, stop. Pouvez-vous aller toucher l'autre? Touchez l'autre, vous avez le même dans l'autre pièce, est-ce dans que la, vous pouvez y dans aller? Dans la chambre, il y a le même. Il est 23h22. Arrêtez, il ne reste que 10 secondes qu'on sache que c'est bien vous. Après, vous pourrez rejouer avec si vous voulez, mais arrêtez-le. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que c'est possible de faire un bruit au lieu de toucher l'appareil? Vous allumez l'autre là-bas, dans l'autre pièce. Ouais, dans la chambre. Oui, c'est possible. Bah allez-y alors, on écoute. Ça, je crois que ça veut dire non, il va rester ici. Non, regarde. Est-ce qu'on peut dormir ici? Attends, on va voir s'il fait réagir l'autre déjà. Est-ce qu'il tente de marcher? Il bug pas parce qu'il s'arrête. Il bug pas. C'est mais quelqu'un qui touche. Bon, déjà, ça prouve que je les ai pas occupés. Ouais, c'est clair. Mais heureusement qu'on a refait une enquête ici. Hein. Parce que sinon, on était bien parti pour dire que c'était pour hanter ici. Hein. Enfin, qu'il y avait personne. Bah, moi, j'ai eu des preuves. Donc... Ouais, bah oui. Mais tant que nous, on le voit pas de nos propres yeux, qu'on le vit pas, si tu veux. Mais qu'est-ce qui t'a attiré, toi, en fait? C'est là, j'arrive maintenant. Bah, c'est en passant en voiture, j'ai dit tiens, abandonné, et puis hop, j'étais... Non mais qu'est-ce qui t'a attiré dans le paranormal? Ah bah moi, je rebondis là-dedans.
Vous êtes deux à vivre ici? Vous êtes plusieurs? Ou il n'y a qu'une personne? Moi, je connais très bien Angélique V, Sébastien V. D'accord. Est-ce qu'il y a des enfants? Ouais, c'est clair. Ouais. Ça vous fait du bien de nous parler? Ça vous fait du bien de voir du monde? Oh, tu traînais déjà sur mes alors. Je suis sûr que je t'ai déjà vu. Ouais. Vous êtes là? Quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes parti. Non, on a fait des soirées, des délires. Oui, mais vous êtes là. D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des enfants ici? Il n'y en a pas d'enfants? Bon. Donc vous vivez seul? Vous vivez seul ici? D'accord. Vous êtes un homme? Un homme, d'accord. Il n'y a pas de femme alors? Il y a une femme avec vous? Non. Vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? D'accord. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Est-ce que ça fait longtemps que vous vivez ici? D'accord. Très longtemps? Ça fait... D'accord. Est-ce que vous viviez ici dans les années 80 déjà? D'accord. Dans les années 60, vous étiez là? Donc vous étiez ici dans les années... Oui? Est-ce que vous étiez là dans les années 60? En 1960, vous viviez dans cette maison? D'accord. Tiens, dans la chambre. La chambre, ça réagit. Non, ouais. Est-ce que... je vais peut-être être un peu... Voilà, mais... Est-ce que dans les années... Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Attendez. J'aimerais vous poser une autre question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Arrêtez de faire sonner l'appareil. S'il vous plaît. Allez. Est-ce que vous venez du cimetière qui est plus bas? Ça te répondait, mais maintenant ça fait mimus. 2, 3, allez, 0. Ça pourrait être bien d'arrêter de faire clignoter l'appareil. S'il vous plaît. Ça répondait bien, puis après, hop, ça... Non, ça s'énerve en fait, je crois. 21,6, t'as vu? Ouais. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est mon terrain. Merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de quelques. S'il vous plaît, arrêtez. J'aimerais vous poser d'autres questions. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je comprends que ça fait longtemps que vous êtes là. J'ai pas eu une 21. J'ai pas eu le temps de le prendre. Non, c'est pas grave, on l'a dit. S'il vous plaît. 21,6, quoi. Est-ce que vous avez connu Christiane? Alex, c'est énorme, 21. Oui. Est-ce que vous avez connu Christiane qui apparemment a vécu ici? Vous l'avez connue? Arrêtez de faire clignoter, s'il vous plaît. On va recommencer comme on faisait. Alex, Amine. Oui. Demande s'il peut apparaître sur les photos. Est-ce que vous pouvez apparaître sur les photos, s'il vous plaît? Oui? Ça pourrait être sympa. Oh. Décidément. Vous aimez bien jouer avec les lumières. Merci. Mon ami va faire des photos. Est-ce que c'est possible d'apparaître dessus? S'il vous plaît. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes parti?
n'y a plus personne. Vous êtes parti. Revenez. Ouais, moi aussi j'ai les jambes complètement gelées. Ouais, pour ça on va pas être temps. Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, faites clignoter les petites lumières. Vous avez bien réussi. Même de le refaire monter à 20. Vous avez même fait clignoter, même sonner l'appareil qui est dans la chambre. C'est très bien. Ouais, les photos, je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. Ah, ça recommence. Allez-y, continuez. Allez-y, venez. Du moment qu'on parle calmement, il n'y a pas de problème. Tiens, Alex, mets la lampe qui est à côté, s'il te plaît. Pour voir. On va essayer de refaire le... Hein? Quoi? Non, mais t'as juste à tendre le bras, Alex. Tu veux faire quoi? La LED, tu la mets là. Pour voir s'il peut... Enfin, s'il peut l'éteindre ou la lumière. On va refaire un petit jeu, une petite communication, un petit exercice. Est-ce que vous pouvez essayer d'éteindre la lampe qui est devant le REM? Le gros boîtier noir avec l'antenne là. Il y a une lampe devant. Est-ce que vous pouvez essayer de l'éteindre, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Éteins le REM et rallume-le parce qu'à mon avis, il a dû le bugger. Ouais, parce qu'on n'entend plus le bruit. Ouais. On va remballer nos affaires. Et puis, on vous remercie d'avoir communiqué avec nous. C'était vraiment une très belle approche. Je vais rallumer mon téléphone. On va vous demander de ne pas nous suivre. Chacun reste chez soi. D'accord? Mais sachez qu'on reviendra peut-être. Ou peut-être d'autres personnes reviendront vous voir. Ça serait bien qu'on le garde secret en fait, ce combat. Ouais. Qu'il n'y ait pas 50 personnes qui arrivent là-dedans, ouais. qui défoncent tout. Quoi. C'est pour ça que quand j'entends, j'ai dit qu'il évite de faire le. Ouais. Non, je serais une personne. Donc on vous remercie. Merci. Je ramène tous les téléphones. Donc j'espère que vous. J'ai trop de téléphones. Pourquoi t'as plusieurs téléphones? T'es un dealer toi. Non. Ouais, c'est ça. J'ai plusieurs téléphones. J'espère que vous êtes bien. Vous faites des échanges. Et puis restez en paix. D'accord? Soyez en paix. 400 PC. C'est bon. Ouais, je merci encore. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. En même temps, c'est mes idons. Au revoir. Ah ouais, mais. Au revoir. Mes idons, allons-y. Au revoir. Merci d'avoir venu avec nous. Mes idons. C'est qui Tu reprends ta GoPro Ouais, attends, je suis. Je ouvre la porte. J'essaie de voir comme la vue. De la maison.